Il existe un hack utilisé par les plus grands médias que toi-même tu peux utiliser pour tout simplement créer une communauté et créer du contenu assez rapidement. Ce hack, c'est tout simplement d'utiliser comme levier les réseaux sociaux que sont par exemple TikTok, Instagram ou bien même YouTube pour pouvoir créer du contenu sans même avoir montré ton visage, sans même avoir de créer de vidéo. Bref, le tout très simplement. Cette technique, évidemment, ce n'est pas la seule, mais c'est une des techniques qui marche le mieux. C'est tout simplement de prendre un phénomène, un événement qui est arrivé, par exemple en ce moment on est en plein milieu des Jeux Olympiques, de l'utiliser et de mettre simplement des images avec du texte. Ce qui est bien, c'est qu'en fait c'est très facile à faire. Le texte, en plus tu peux le traduire dans plein de langues, donc en fait ta vidéo tu peux facilement la faire sur plein de langues, plein de thématiques différentes, d'accord? Et derrière tu vas la poster. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait les gens sont captivés parce qu'ils savent que chaque slide, en fait, il va avoir une nouvelle info qui va passer. Et ça leur permet en gros de lire les news, mais en vidéo. Et donc toi, évidemment, plus les gens vont rester captivés, plus toi, ça va être bénéfique pour ton contenu, puisque, comme tu le sais, dans tous les réseaux sociaux, aujourd'hui, l'algorithme, c'est plus les gens passent du temps sur ton contenu, plus derrière, eh bien, ton contenu sera mis en avant parce que le réseau social en question va voir qu'il y a un intérêt. Donc, je vais te montrer cette stratégie sur mon PC, je te montrerai tout, comment on va faire, comment on va mettre en place, c'est assez simple. Et surtout, je vais te faire comprendre comment toi aussi, aujourd'hui, tu peux le faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette stratégie, c'est évidemment utilisée par les médias pour faire du contenu et de la visibilité. Nous, on va l'utiliser différemment, puisque, comme tu le sais, ce n'est pas avec des vues par vidéo. Tu vas payer avec YouTube, avec TikTok, etc. Tu vas payer très très peu. Nous, on veut gagner de l'argent, c'est en vendant soit de l'affiliation, soit nos propres produits ou services. Et c'est là, en fait, on va faire beaucoup plus d'argent. Mais on va utiliser cette stratégie pour le faire. C'est quelque chose que j'ai fait avec plein de clients. Certains clients ont atteint des 700 000 abonnés, des 1 million, des 200 000 abonnés, des 10 000 abonnés. Mais tous, en fait, gagnent de l'argent parce qu'ils ont pris la stratégie, ils l'ont mis en place. Et derrière, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé le levier de l'affiliation ou le levier de la vente de produits pour développer leurs revenus. Donc, je vais te montrer cette stratégie, ce qu'elle est, ce que tu peux faire, et je t'expliquerai après, si tu veux aller plus loin, comment tu pourras faire. Donc, en fait, c'est très simple. Tu vas tout simplement aller sur TikTok et regarder par exemple ce qui se fait en termes de style. L'idée, c'est que tu puisses trouver ton propre style et derrière, tu vas aller sur les grands sites de médias. Donc, on va aller par exemple sur Le Monde. Bon, là, moi, j'ai tapé ça en anglais. Donc, tous les résultats de TikTok sortiront en anglais, mais je vais te montrer aussi pour Le Monde. Ça sera plus simple. Tu vas sur Le Monde et tu regardes tout simplement les plus gros événements qu'il y a actuellement. L'idée, c'est d'essayer d'en couvrir 2, 3, 5 maximum par jour. Après, si tu es tout seul, ça va être très difficile de pouvoir les couvrir parce que mine de rien, ça prend du temps de réfléchir, etc. J'estime que 5 TikTok, ça te prend au maximum 1 heure par jour. Donc, comme ça te va. Mais tu regardes un peu ce qui sort. Donc, évidemment, en ce moment, on a les Jeux Olympiques. Okay, donc, tu vois, ils ont même une section particulière. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi… On va voir. Hein. Là, on a la guerre en Ukraine. Ça peut être intéressant d'en reparler un peu. Le rappeur Naps. Alors, je sais pas qui c'est. Moi, perso, je connais pas du tout. Mais ça peut être quelqu'un qui est assez intéressant parce qu'on voit que c'est quand même bien mis en avant. Mais pour moi, les meilleures idées que je trouve, c'est à chaque fois sur la page de garde, tu regardes à chaque fois les plus gros articles, ceux qui sont le plus mis en avant. Alors, évidemment, là, en ce moment, c'est les JO. Mais sinon, tu auras autre chose. Alors attends, je te coupe ça 2 secondes. Et tu vois, justement, en prenant l'exemple, donc là, mettons, on a un sujet. Donc là, on a un sujet qui est sur je sais pas quoi, sur une breaking news. La personne prend que des photos et en fait, elle met du texte dessus, donc des sous-titres, et elle va parler dessus. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors après, évidemment, il faut comprendre ta thématique. Évidemment, après, il faut comprendre ce que tu vas mettre en place, comment tu vas le faire et surtout comment tu vas monétiser tout ça. Parce que c'est bien beau de faire des TikTok, etc. Mais derrière, c'est quoi le but? C'est que toi, tu puisses avoir un revenu et ou une audience. Et donc pour ça, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le monétiser. Donc une fois que tu as ta news, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller soit directement sur l'application TikTok qui est extrêmement bien faite pour tout simplement créer du contenu, soit tu vas aller sur une application comme CapCut qui, je ne sais pas si tu es au courant, mais appartient à TikTok, ça appartient à ByteDance, donc la maison mère TikTok, et tu vas tout simplement faire ça. Donc tu vois, ils prennent des photos libres de droit. Donc là, admettons qu'on veut faire Paris 2024. Je vais sur Paris 2024. Tu prends toutes les photos qui peuvent être intéressantes. J'ai bien mis attention en tool, donc c'est les outils, j'ai mis en Creative Commons ou Commercial License, donc c'est-à-dire que je peux les réutiliser. Et derrière, bah, tu as juste à faire tes TikTok. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire vraiment sur un sujet. Là, dans l'exemple que je te donne, c'est évidemment sur les news, mais les news, ça va être très compliqué de monétiser, à part par de la vue. Mais malheureusement, la monétisation par de la vue, donc être payé par TikTok au nombre de vues que tu fais, ça va être très minime parce que bah, ça dépend juste des vues. Je peux t'assurer qu'avec moins d'efforts et plus de stratégies, tu vas pouvoir gagner beaucoup plus avec tout simplement
tes propres produits ou en faisant de l'affiliation. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu vas pouvoir tout simplement prendre un sujet. Donc moi, je te conseille de prendre un sujet. Donc admettons le sport. Je fais une bêtise, mais admettons t'es passionné de natation, de ping-pong, c'est-à-dire de ping-pong. Tu vas faire tout sur le ping-pong et derrière, tu vas pouvoir mettre des produits d'affiliation, tes propres produits digitaux ou tes produits physiques, et tu vas pouvoir gagner beaucoup plus d'argent puisqu'en fait les gens, quand ils seront intéressés par toi, ils vont aller directement sur ton profil. Et là, tu vois, j'ai cliqué sur ce profil là, tu vois que c'est intéressant parce que si je sais ce que je pense que c'est juste intéressant. C'est tout simplement une chaîne TikTok, pardon, qui fait des vidéos sur la famille royale. Et tu vois, il renvoie vers un lien Amazon qui est un lien affilié. On peut le voir ici. Tu vois, on voit ici, hop, Shop Royal News. Là, c'est le nom de son shop, mais il y avait le nom affilié. Et en gros, tout ce que tu achètes, eh bien, tu pourras tout simplement l'acheter. Donc, c'est très malin parce que la personne a mis le look de Kate, donc la princesse, sur on a budget, c'est-à-dire pas cher, quoi. Et donc, ça, c'est très malin parce que ça te permet tout simplement, les gens qui sont intéressés par la famille royale, évidemment, sont influencés et donc veulent s'habiller comme ça. Tu peux faire exactement pareil, par exemple, avec les Kardashians, tu peux faire pareil avec plein de familles où tu as des trucs à dire et tu as du contenu à faire tout le temps. Et en fait, en faisant ça, tu vas avoir quand même pas mal de beaux résultats. Tu vois, 4 millions 9, 131, 193, 936, 938, pardon. C'est énorme, parce que tu touches en fait à des actualités. Mais admettons que tu parles de foot, par exemple, bah, tu peux parler, par exemple, de tous les rumeurs de transfert, tout. Les équipes qui vont pas bien, les dramas qu'il y a dans les équipes, etc. Il y a tellement de choses à faire. Peu importe ta thématique, il y a moyen de recentrer sur du contenu sans visage, donc faceless, en l'automatisant. Au début, tu feras ça tout seul, mais après, tu prendras une équipe qui fera pour toi et derrière, tu vas pouvoir renvoyer vers quelqu'un. Mais admettons que tu as 5,7 millions de likes. En général, on dit qu'il y a 10% des gens qui likent. Donc, on va dire que c'est, allez, 50 millions. On enlève un peu, on va dire 50 millions de vues, ce qui est énorme. Admettons qu'on a un taux de conversion qui est ridicule. Tu prends au moins sur les 50 millions de vues, tu prends au moins, allez, 50 000 clics, au moins. 50 000 clics, c'est énorme. Ça fait que des gens vont acheter en regardant ce qui se passe et ils vont acheter. Donc derrière, tu vas toucher des commissions. Donc tu vois, c'est super simple et tout le monde peut le faire. Si tu veux apprendre à générer ce genre de revenus, j'ai lancé une stratégie qui s'appelle TikTok Automation. Et cette stratégie, je t'explique de A à Z comment mettre en place cette stratégie, donc comment trouver des bonnes idées, comment trouver ta thématique, comment la monétiser, et ensuite je t'explique comment trouver des contenus pour que tes vidéos soient puissantes, pour qu'elles marchent, pour que tu puisses ranker et derrière surtout que tu puisses monétiser. J'ai accompagné plusieurs dizaines et même centaines de clients sur la partie création de TikTok. Et même si je ne le mets pas beaucoup en avant, sache que j'ai eu des résultats assez phénoménaux. Actuellement, ma copine, je suis en train de l'aider, elle a 10 000 abonnés et elle fait pourtant des revenus assez conséquents puisque tous les mois, en fait, il y a des entreprises qui lui envoient entre 5 à 10 colis par mois totalement gratuitement. Et derrière, elle a juste à faire des reviews de ses produits et elle touche de l'argent dessus, elle touche des commissions. Pareil pour mon ex, je l'ai amené de 0 jusqu'à 700 000 abonnés et elle, c'était un business différent puisqu'elle vendait de la formation. Donc ça, c'est évidemment les deux personnes que j'ai accompagnées depuis longtemps, mais il y a plein de clients. J'ai un client qui est sur le bien-être et la santé et lui, grâce aux vues TikTok et à de l'affiliation, il réussit à faire entre 500 à 1000 euros tous les mois en automatique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il a délégué ça, cette partie de création, à quelqu'un qui travaille pour lui. Et donc, il a juste à donner les idées et derrière, il a un business qui est en automatique. Donc, la question, c'est est-ce que tu vas apprendre à faire un business en automatique qui peut te rapporter beaucoup d'argent? Parce que je ne vais pas te l'apprendre que la création de contenu, c'est l'avenir des médias. Les médias traditionnels sont tous en train de mourir. Et donc, il y a de plus en plus de place pour ce qu'on appelle des médias privés, des médias vraiment alternatifs. Et tu peux en faire partie si tu décides de faire. Mais pour ça, il faut apprendre les algorithmes, il faut apprendre les thématiques qui marchent et il faut apprendre à construire des contenus qui donnent envie aux gens de regarder. Et tu as de la chance, TikTok Automation est fait pour ça. Tu as le lien juste en dessous, je peux t'assurer que tu apprendras les meilleures stratégies pour avoir des gros résultats. Encore une fois, tu regarderas sur la page, il y a une énorme garantie. Donc en gros, c'est soit tu prends le risque de changer ta vie et de réussir, soit tu prends le risque de changer ta vie et réussir. Tu n'as pas la possibilité d'échouer. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas, clique ci-dessous et on se rejoint là-bas. Mais en tout cas, cette stratégie est extrêmement puissante pour faire des beaux revenus. À bientôt et passe.